Le match se lance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Initiative au roublard. Roublard feu. Roublard feu, ça crie feu. Fika feu. Non, si. Striker, je te laisse ma place si tu veux pour commenter cette Fika feu. Jamais de la vie. Non, c'est ça. Alors, le Xelor, je sais pas trop ce qu'il joue. Est-ce qu'il rejoue un mode haut, mais différent? Je sais pas, je saurais pas dire. Potentiellement upper air, en tout cas, un pas de Dopu. Ouais, et ni feu. Ouais, logique. Logique. Alors, on va y aller. On va faire une créa manif. Est-ce qu'il ramène... Là, je vois pas qui ramène. Il va juste taper. Après, il y a pas tellement d'esquive. Hein. Côté Team Atlas, le Robert 86, quand même, c'est pas mal. Mais Sakri et K sont à 68-69, donc c'est pas démentiel. Ouais. Il y a une bravo de Rick Herrel sur le Sacrieur. Ça se voit plus non plus. Ils sont restés quelques mois en arrière. Mais ok, pourquoi pas. Une bravo de Rick Herrel sur le Sacri. Allez, rituel de la chaîne, il marche dans les bombes et il prend des PB à chaque fois et du coup il survit. Non, ça doit être une connerie. En vrai, je sais pas. Je pense que du coup ils ont misé sur un roubleur feu pour un max de dégâts et profiter en plus, quoi, ouais. Des faibles résistances feu de Denis. Le Sacri 6300 vita, effectivement. Mystigri sur le Sacri, ils vont tenter un truc comme ça, ouais. Ils vont clairement tenter un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est un peu. Le contre-coup. Ouais, ça parle de la Chine aussi dans le chat. Aïe, qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, si ça marche, c'est incroyable. Ça serait. Enfin, ils sont dans le turfu si ça marche. On a sacrifié le roublard. Le roublard, ouais, ok. Ah, le roublard, 0% feu. J'avais pas vu, mais carrément. Allez, on y va avec le sacri, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, il a pas d'ébène, hein, le sacri, il faut noter. Hein. Pas d'ébène. Il a pas d'ébène. Ouais. Allez. Ouais, rituel de Jacine. Rituel de Jacine sur les dérives, ça! Attention! On n'est pas prêt. Ça c'est pas mal parce que le pilori du coup qui va gêner un peu sur le déplacement, alors on peut un peu les proc mais ça reste un peu chiant pour eux. Il a quand même 33% feu le sacri, donc même s'il il tape feu dessus, ça serait pas non plus monstrueux sur les nirs. Hein. 20% la map... ouais, le truc c'est que vu la map c'est beaucoup plus facile de taper directement sur les nids que d'abord de passer par le sacri. Hein. On va voir, mais là je pense aussi ça peut faire paniquer Damn, hein. Se dit comment réagir à ça, ils peuvent faire des fails aussi, ils peuvent pas faire des tours totalement optimisés. Donc en fait c'est le roublard qui va se taper lui-même, avec le sacrifice je pense. Oui, c'est ça. C'est exactement et ça. Roublard et roublard n'a plus que 6 PA. Ouais, mais là il va juste poser une bombe et il va marcher en fait dans le mur. Et en fait il est assez loin du sacri pour que ça proc la Rikirel à chaque fois. Aïe, alors combien de dégâts? C'est incroyable! Ça passe! Ça passe! Mais non! Ça passe, par contre, Sacrieur est quasiment mort! Sacrieur qui. Quoi? Pourquoi il a fait ça? Mais non, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais non! Non! Mais pourquoi il a fait exploser? Mais non! Non mais l'Upper le tuait dans tous les cas. Il avait plus de PM, ok, en fait il voulait juste faire du beau jeu et quitte le combat, ils abandonnent. Mais c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Effectivement, ouais. Il était mort parce qu'il finissait son tour dans le mur, ça tuait le sacri. Mais ça c'est quoi? Je sais pas s'il voulait pas juste placer le move et abandonner mais... Ah mais j'ai l'impression hein. Ils ont dit le premier match, il nous a fait chier, le deuxième, on fait juste un voix. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient joué le match si le Sacri avait eu une chance de survivre. Mais en fait, le truc, c'est... Bah non, parce que s'il finissait son tour dans le mur, le Sacri reprenait des dégâts. C'est ça, en fait, il était mort du coup. Donc il était sûr d'être mort.